L'autocar électrique, c'est une première en France. Sa mise en circulation a débuté le 1er septembre 2018 sur la ligne régulière Cran-Laval en Mayenne. Expérimenté dans les Pays de la Loire, ce transport interurbain est inauguré en parallèle de la mise en circulation des autocars GNV en Sarthe. On sait très bien qu'en matière notamment de transition énergétique, on a aujourd'hui plusieurs propositions qui nous sont apportées en matière notamment de changement de carburation. On a donc effectivement la question du GNV, on a aujourd'hui des propositions électriques et on aspire aussi demain à avoir des propositions hydrogène. Donc on sait que ces propositions-là, effectivement, elles seront adaptées en fonction des lignes et en fonction des services. Et là, donc, ce qui a été proposé aujourd'hui, c'est que ce soit sur le GNV ou sur le bus électrique, on va avoir la possibilité là aussi d'en faire nos laboratoire un peu roulant, d'avoir des retours sur expérience et de savoir quel est le modèle le plus adapté en fonction du service dont on aura besoin. Avec une autonomie de 225 km, ce car peut accueillir 59 passagers. Il présente à la fois des avantages pour l'environnement, mais aussi pour ses usagers. Le véhicule électrique ne pollue absolument pas, il n'y a pas d'effet d'émission. Le véhicule est confortable et très silencieux, et donc les clients apprécient ce type de véhicule. Et ça répond effectivement aux besoins de la population d'une transition énergétique dans les transports en commun. Avec cette nouvelle ligne 100% électrique, la région des Pays de la Loire espère bien faire passer le transport interurbain dans une nouvelle étape de la transition énergétique.